Périodes étranges et douloureuses que l'on traverse à l'occasion. Périodes creuses et vides, mais pourtant charnières et nécessaires. Périodes où tout est suspendu et le reste flotte en apesanteur. Périodes de manque et d'impuissance, où le flou nous enveloppe. Et plus la mélancolie est concrète, palpable, plus on se détache de l'essentiel, jusqu'à l'absurde. Périodes infructueuses, quand les démons intérieurs s'en donnent à cœur joie. Périodes de doute, bien sûr. Périodes de manque aussi. De manque et de silence qui en disent long. Périodes d'incohérence où tout semble obsolète, désuet et superflu. Où l'on se regarde, où l'on se tâche de tout sans se retrouver soi-même. Périodes où l'on regarde ces fragiles instants, toujours rares, éphémères, précieux. Qui coule et s'éloigne inexorablement en suivant la flèche inversée du temps. La flèche inversée du temps. Périodes instables et sans relief, sans goût, en noir et blanc. Périodes où l'on se dit que s'il fait beau, l'on est triste. Et s'il fait triste, c'est pareil. Exactement pareil. Période d'improductivité et d'isolement, où seule une gorgée de bière, dans le meilleur des cas, garde encore un petit peu de saveur. Un rien vous dégoûte et les rires font peur. Période d'improductivité et d'isolement, période plus intense que le pessimisme, puisque être pessimiste, c'est savoir instantanément qu'il existe toujours un au-delà de la déception. Période de fausse rébellion et de révolte faussée. Putain, on passe des heures au vitriol. Des heures au vitriol. Des heures au vitriol. Et toujours un qui rigole. Périodes intemporelles au final, même si par définition une période ne dure qu'un temps. Période où les larmes sont sèches car la source tarit et où la boule au fond du ventre se change en une spirale morbide qui nous aspire de l'intérieur. Période de crainte, la crainte devient terreur, la terreur devient mutisme. Période où le souvenir a un goût de chiotte. Et chaque chiotte recèle un putain de souvenir. Bah, mauvaise passe. Mauvaise passe. Passe quand même. Car même si l'on sait écrire ailleurs que quand les corbeaux sont là, la nécessité de l'exorcisme ne s'impose que lorsque ça va mal. Encore que ça, ça reste à prouver. Période de tristes frustrations qui reviennent à l'occasion, de temps en temps. C'est justement pour ça que ce sont des périodes.